séance au bout de 8 jours. Le repos terminé. On va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini. On en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu aux civils. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, bah pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter là-haut, aux tranchées, pour défendre leurs biens. Car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres bureautins. Tous les camarades sont enverrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir tiendra la relève que nous attendons sans cesse. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. C'est nous, les sœurs,
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre de femmes. C'est à grave sur le bateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés. C'est nous. Sa peau,